bien le bonjour YouTube. Du Ratchet & Clank comme d'habitude. Ta dose quotidienne de Ratchet & Clank. Calibo 3. Planète où se situe le siège de Gadgetron où on va pouvoir acheter un holo déguiseur qui nous permettra de nous infiltrer plus simplement dans la base. Pour vaincre le président Rake, nos héros allaient avoir besoin d'un gadget. Vous êtes sur Calibo, un holo déguiseur Gadgetron. Les blagues ont envahi le secteur, on dirait. Ils sont sûrement à la recherche des stocks d'armes. Le moutonator, donc moutonator, évidemment, une arme qui nous permet de transformer les ennemis en moutons. À tous les employés de Gadgetron, la sécurité de notre usine est actuellement fortement compromise. Nous demandons à tout le personnel non essentiel de bien vouloir quitter immédiatement les locaux en attendant l'arrivée des autorités. Navette en approche. Merde. Quel dommage. Je pense que ces rouages contrôlent le pont. Un peu plus de munitions, un peu plus de cadence de tir. Je suis partant pour de la cadence de tir. On va voir si on arrive à les faire bouger. Bien joué, Ratchet. Le propulse opaque est un engin très pratique. Tu m'étonnes. Un de nos employés demande si l'assurance de l'entreprise couvre les frais médicaux engendrés par la masse. La réponse est claire. Regarde ce rail, je me demande une même. Allez, un petit glisse-rail au pif. J'apprends à l'instant que quelqu'un a mangé le sandwich au thon de ma secrétaire Gann. Il se trouvait dans le dossier des employés et son nom était clairement indiqué dessus. La nation d'aujourd'hui n'excuse en rien ce genre de comportement. Je sais pas ce que j'ai activé, mais ça avait l'air d'être important. C'était notre employé du mois. On applaudit tous bien fort Georges Spridacle. Georges est un Oh mince. On me dit que Georges a été prisonnier par les Blarks. Et qu'il aurait été déporté dans un de leurs camps de travail. Bon, et ben par conséquent, nous allons élire un nouvel employé du mois dans quelques instants. Ça se passe de ton côté? T'as l'holo déguiseur?
Pas encore, mais on y travaille. On avait quelques détails à régler avant. Bien reçu. Bonne chance. Barrière désactivée. Nickel. Exactement ce qu'il fallait. Bienvenue dans la salle de la cartomatique. Elle est conçue pour aider les explorateurs à découvrir les objets indigènes et les points d'intérêt. Cool, c'est exactement ce qu'il me faut. Ah, la cartomatique, ça va être tellement pratique, en vrai. Déjà, boulon en or et en plus cartomatique. Allô, moutonnateur. La salle du moutonnateur est fermée pour cause de moutonnage intempestif. Entrez à vos risques et périls. Waouh, on dirait que les blagues ont essayé de pénétrer ici et se sont fait moutonner. Pardon, les gars. Ouais, je peux pas passer du tout. C'est passé un truc là, non? Je suis clairement pas le droit de passer. Pourquoi ça sert de m'amener là du coup? Et à ça du carton magique. Et là, ça des pauses de gadgets. Ouais. Pourquoi j'ai. Ça sert à rien d'aller là, genre. Legit, ça me sert à rien d'aller là. Ça sert à rien. Oh. Et voilà. Nickel. Du coup ça c'est le truc, ça c'est en dessous du coup je pense. Regarde pas, je dois vous le dire. La salle des gros vitrons ne sert pas à faire la fête. Sortez de là immédiatement. L'usine est prise d'assaut, je vous rappelle. On peut pas encore acheter le moutonnateur, mais ça va venir. Tu m'en diras des nouvelles. Le voilà, à l'attaque. C'est bon, ça vous a calmé? Putain, ça vous a calmé. Oui, du coup ici c'est des d'accord. Ici du coup ça va être des salles de test. Je
sec. Verrouillez toutes les usines. Bah, casse-toi. Les mesures de sécurité. Annulez tous les fonds de départ. C'est moi qui utilise le petit relanceur. Ouais, détends-toi tout de suite. Prends la main sur des armes gadgetron plus puissantes. Ah bonjour. Mais là, ça devient compliqué quand même. Hein. Là, je veux bien, mais j'avais plus de munitions. Là, c'est des problèmes. Regarde ce mécanisme, on doit pouvoir faire pivoter cette pièce. Monsieur Zurkon compose une symphonie de souffrance. Le bordel. Le bordel, mais quand tout le monde est mort, ça me va. Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est donc comme ça que ça se passe. Ok. J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Après la maintenance, t'as dit
Bientôt niveau 4. Et maintenant, c'est bien. Cobaye détecté dans le labo des fusio-grenades. Parcours de la mort activé. Oh, Ratchet. Quel dommage. Putain, faire canarder comme ça! Tu veux un moutonator? J'en parlais justement avec ton nom marqué dessus! Non, c'est faux, c'est juste une fois qu'on parle. Niquez-vous, putain. On va être en guerre pacifiste, les progrès qui nous libèrent une unité de micro-roquettes thermiques en explosant. Nice! C'est ça que je veux. Combustor, nickel. Ah mais il est pas mort. L'arme de base du jeu enfin augmentée au niveau 3. Thème terrible. Alors du coup, en termes d'armes, on a du coup notre petit machin qui va se caler là-bas. Voilà. Notre disque zigzag qui va rester là. Notre ravageur qui va passer là. Notre pyromancer qui va passer là. Je pense que ça fait 3, 3. 3 toujours aussi. Et le grand ravageur. Le grand ravageur, on l'a déjà mis. Tamish, ça change de place à chaque fois. Putain! Oula! Oula! Oula, mais calmez-vous! Calmez-vous tout de suite! Fuyez! Fuyez devant monsieur!
Ah, mais là, c'était compliqué. Là, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué. Monsieur Surcon est là pour détruire. Compliqué là si j'utilise vraiment que les... Jambes. Cobaye détecté dans la salle des lapinous. Préparez-vous à jouer avec d'adorables lapins. Oh. Ça a pas l'air si terrible. Rectification. La salle des lapinous a été transférée dans le secteur 12. Lancement du protocole de mort par démembrement. Bien sûr. Ça commence à bien. Mais non. Nick. C'est bon. Nice. Bonjour. Ah, salut. Alors, cassez-vous! Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais là? Sera envoyé à votre adresse d'ici 5 à 7 ans. Ça alors, je n'y crois pas. Ratchet bonjour. Et Clank ici, chez Gadgetron. Je m'appelle Wendell Lumos. Je suis le PDG de cette belle entreprise. J'adore vos armes, monsieur Lumos. Écoutez, Clank et moi, on est en mission pour sauver la galaxie et on aurait besoin d'un holo déguiseur. Je crains que nous n'ayons plus ce produit. Ces satanés blargues ont pillé tous nos stocks. Un petit problème de sécurité. Inutile d'alarmer le public. Nous avons toujours le prototype, mais c'est désormais le prix du championnat d'Overboard. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire au championnat?
Bien sûr, mais comme tu peux le constater, nous avons un léger problème d'inondation. Les Blargues ont bombardé notre barrage ce matin. Tu n'aurais pas un hydrodéplaceur sur toi, par hasard? Oh, par pur hasard? Par... vraiment, par pur hasard, clin d'œil, clin d'œil. Sérieux, sérieux, genre, aspirer toute cette eau avec juste un petit flingue, quoi, c'est un peu dingue. On m'apprend à l'instant que nos drones... Nice. Partez. Je me souviens bien, bon, ça, c'est comme ça. Rachète se propulse vers l'avant. N'oubliez pas que le grand vainqueur remportera notre produit phare. Un prototype d'holo déguiseur. Oh, Rachel passe en deuxième position. Là, il faut que je fasse. Effectivement, là, il y a trois porteaux. Ratchet se propulse vers l'avant. Selon Max Vera, Ratchet passe en tête. Ratchet est à la traîne désormais. À la traîne. En fait, je me déplace vraiment pas. De base, je me déplace vraiment pas vite par rapport aux autres. C'est quand même abusé. Mais genre. Ah, je suis pas d'accord, ça. Pourquoi ne pas recommencer? Je suis pas d'accord. Pas de problème. Les Rangers Galactiques sont toujours les bienvenus chez Gadgetron. Revenez quand vous voulez, et n'hésitez pas à retenter la course. Bonjour. La course. Merci. Marc, prêt, partez. Mais vraiment, regarde, je suis vraiment lent. Rachette se propulse vers l'avant. N'oubliez pas que le grand vainqueur remportera notre premier phare. Un prototype dans l'eau des visiteurs. Oh, Ratchet passe en deuxième position. Mais non, putain. Pour un autre shot, Ratchet passe en tête. Bah oui, forcément, passe en tête. Ratchet est à la traîne désormais. Oui d'accord, carrément. Je vais ralentir comme ça au clam. Shit!
ne triche pas, cher public. C'est ce qu'on appelle profiter de la situation. Ratchet est à la traîne désormais. Non. Nickel. Ratchet. Parfait. Félicitations! Voilà ton holo déguiseur! Et rends-moi un service. Quand tu l'utiliseras, poste donc tes impressions sur les réseaux sociaux. Les gamins sont tous fans de ces trucs-là. Hashtag Gadgetron. Oh, large! Bon, là, par contre, évidemment, faire toutes les courses d'Overworld parce que ça rapporte masse thunes. Il me semble que lors de la troisième cour, justement, t'as les... Envoyez-le et vous serez intégralement remboursé. Désolé tout le monde. Par intégralement remboursé, je voulais dire que vous recevrez un bon pour un autocollant de pare-choc Gadgetron gratuit. La base. Littéralement la base. Ratchet est à la traîne désormais. Merci Eda pour ton petit raid. Ratchet l'emporte. À quoi tu jouais l'ami? Large. Allez, même principe. La galaxie FF14 est peut-être online. Mais on pourrait aussi participer à la coupe d'eau. Ratchet ne triche pas, cher Dubon. Ratchet passe en deuxième position. Donc là, faut vraiment que je prenne tous les raccourcis. Ratchet est maintenant en dernière position. Ressaisis-toi, on veut que tu gagnes. Là, faut vraiment que je les prenne tous. Sans jamais me faire une seule fois. Non, c'est le bordel. Le Gadgetron. N'oubliez pas que vous pouvez acheter de super t-shirts et des tire-bouchons officiels de l'entreprise dans la boutique de Gadgetron Industrie. Mais non ! Du coup ça va commencer à devenir très compliqué. J'ai l'impression que le son est décalé par rapport à la vidéo. C'est très possible. C'est très possible parce que quand moi je l'écoute. Ratchet se propulse vers l'avant. Selon ma
Axerat Pratchett est à la traîne désormais. C'est très possible parce que moi, du coup, quand je l'écoute, le son, il me semble décalé aussi. Aïe, voilà qui va ralentir Pratchett. Genre... De toute façon, là, je peux que retenter, non? C'était court, ça. Ah, plus maintenant parce que j'ai fait... Ah d'accord, okay. Les Rangers Galactiques sont toujours les bienvenus chez Gadgetron. Revenez quand vous voulez, et n'hésitez pas à retenter la course. Ah putain, deux fois que je loupe le raccourci, quoi, c'est quand même moche. Merde, putain, c'est comme ça qu'on accélère. Après, je sais qu'il y a un petit décalage, je sais qu'il y a un... Peut-être un vraiment mini décalage entre que moi, je vois... Entre moi, ce que je vois et ce que j'entends. Mais le décalage est vraiment mini. Le décalage est vraiment minime, mais c'est vraiment moi, parce que vous, vous entendez vraiment la même chose. Normalement, vous entendez exactement au même moment. Oui, non, je sais, mais je sais que moi, j'ai un tout petit décalage, c'est pour ça. Je sais que moi j'ai un tout petit décalage aussi, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas le moment de louper. Mais ça c'est abusé ça par contre. C'est chiant. Achète ce propulse vers... Terrible quand même. Pourquoi ne pas recommencer? Je stream avec... pour le coup je stream avec OBS Studio. Rangers Galactiques sont toujours les bienvenus chez Gadget. Tout ça parce que j'ai loupé. Revenez quand vous voulez. Tout ça parce que j'ai loupé cette merde de raccourci là. Et qu'évidemment j'étais à une seconde du dernier. Et qu'évidemment j'étais à peine une seconde du premier. Mais je vais l'avoir. C'est quand même mille fois plus rapide que moi, ce qu'elle va dire. On dirait que le Ratchett prend un autre chemin. Ratchett se prend plus vers l'avant. Le long max est rapide. Ratchett est maintenant en dernière position. Ressaisis-toi, on veut que Ratchett passe aux têtes. Ah non, mais quand je t'ai dit qu'il y a un petit décalage, c'est que c'est normal. Mais t'inquiète, c'est tout à fait normal. Il y a une liste d'attente pour le moutonnateur, tu sais. Mais si tu viens rapidement, je te fendrai mon dernier exemplaire. Non mais ce que je veux dire c'est que en fait il y a un petit coup de lag de on va dire à peine une demi-seconde en fait. Enfin, en fait le son que je capture moi sur l'ordi et le son que je vois vu que c'est sur l'écran, c'est plus que ça fait. Ça fait être très drôle, ça va.
qu'en fait, je vois l'image sur l'écran, je vois pas l'image telle qu'elle est retranscrite par l'Elgato, en fait. Je veux juste l'image telle qu'elle est retranscrite direct en HDMI. Et forcément, sur l'ordi, il y a une petite demi-seconde de une petite demi-seconde de bordel, forcément, sur l'ordi. Ah, c'est tout. C'est juste le ça, pour tout. Il y a rien d'autre. C'est la plus grosse récompense qu'on puisse offrir sans avoir à demander la permission du conseil d'administration. Bravo! On devrait retourner au vaisseau. Oui. Et voilà! Magnifique! Petit moutonnateur du plaisir. C'est pas génial, leur aritanium. Chaque lame se divise en deux demi-lames à l'impact. Ah ouais! Nickel! La groovy, bon, je m'en fous, le lance-rapage, je m'en fous, monsieur Zurkon. Ah, monsieur Zurkon, je m'en fous un peu. Moutonator. Moutonator, ça me fait beaucoup trop marrer comme truc. Amuse-toi bien avec ton moutonator! Mais surtout, ne le pointe jamais vers toi! Trop bien le moutonator. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que le moutonator, c'est une arme qui transforme les ennemis en moutons explosifs. Voilà, tout simplement. Très bien, Ranger. Je crois avoir trouvé un plan pour détruire le déplanétiseur définitivement. En énergisant l'holo déguiseur que Ratchet et Clank ont eu chez Gadgetron, ils vont pouvoir incarner le Capitaine Quark pendant un court instant. Grâce à ce déguisement, ils devraient pouvoir franchir les boucliers du déplanétiseur. Bonjour, citoyen. Puis-je utiliser votre salle de muscu? Allez-y, Capitaine. De là, ils devront accéder à la salle du broyeur d'étoiles du déplanétiseur. Le déplanétiseur utilise un stabilisateur de gravité pour se placer au-dessus de ses cibles. En extrayant le stabilisateur, le déplanétiseur s'éloignera de sa cible et deviendra vulnérable à nos attaques. Quand Ratchet et Clank donneront le signal, nous activerons nos nouveaux turbo-aimants, retournerons le déplanétiseur et sauverons la galaxie. Bien reçu, Hélaris. On est en chemin. Je suis prêt. Il me faut juste des coordonnées. Et bien tout ça, ça sera pour une prochaine fois, YouTube. Ça sera pour une prochaine fois. Dans la 9ème VOD, évidemment. Le déplanétiseur, le retour, Strike Back. Des bisous. À la prochaine.